Bonjour Piti, c'est quoi le projet Royaz? Royaz is the project, it means Roma Jazzing Europe. This project is all about the mix of two cultures, Roman people, their attitude. Royaz signifie Roma Jazzing Europe. Ce projet est d'abord un mix entre deux cultures, les Roms et leur mode de vie, leur style, leur musique, et notre musique. Mais surtout avec le jazz, car le projet est issu de Nashville Jazz Festival. Et donc, c'est normal qu'on y retrouve une composante jazz. On implique des jeunes musiciens entre 17 et 30 ans, des jeunes Roms et des Serbes mélangés. Three festivals. Roma Jazz in Europe is all about three festivals. It's Nashville Jazz Festival, that's in August, and in April we have two festivals that are closer. It's Welcome in Cigani and Balkan Traffic. So we play three concerts, but three big concerts because we play eight people from Serbia. On s'investit dans trois festivals centrés jazz et rom. Le Nashville Festival en août et en avril, nous avons Welcome en Tsigani et Balkan Traffic. On joue donc trois concerts très importants car ils impliquent huit musiciens de Serbie, huit autres de Belgique et huit de France. Chaque groupe joue son concert, ensuite les trois groupes se retrouvent ensemble sur scène. Tant de musiciens ensemble, ça sonne vraiment bien. Project is covered by European Union, so it is for 2 years. It was 2022 and 2023. Le projet est financé par l'Union européenne durant 2 ans, 2022-2023. Il se terminera en avril 2023 à Bruxelles, mais avant, on l'entendra en avril au Nashville Festival. Ce projet dure 2 ans, mais l'an prochain, un nouveau projet démarre avec d'autres musiciens. Thank you.
Comment ce projet a-t-il commencé? It's not our first project. We normally do this every year, similar thing. Now it's Roma Jazzy. Normally we made it with 6, 7, 8 people, 10 people on the stage. We made the project. Ce n'est pas notre premier projet. Habituellement, on en lance un chaque année dans le même genre. Cette fois, c'est du jazz rom, mais on a déjà monté d'autres projets avec 6, 8, 10 musiciens. Des projets avec l'Albanie, le Tirana Jazz Festival, ce sont de bons amis. Mais aussi avec le Musica sulle Bocche en Sardaigne, aussi un chouette festival. Avec la Macédoine aussi, un peu partout alentour. Le virus nous a arrêtés pendant une seconde, mais là, c'est reparti. We are on the road again. Et concrètement, you have to look, to be all the time online to see what's going on. Tu dois être attentif, être branché en permanence pour savoir ce qui se passe et envoyer ton dossier à l'Europe. Je pense qu'il y a des appels à projets chaque année. Nous avons un chef de projet qui a monté le dossier, pas seulement celui-là. Chaque année, il y a différents projets, différents intervenants, d'autres genres de projets. Parfois, vous gagnez le projet, parfois pas. On a un directeur artistique, un directeur général qui s'implique, et moi c'est plutôt le team leader. Je suis les jeunes en permanence et on pratique la musique. Arrêter après 2 ans, ça peut être difficile. If your lifestyle is music, then it's not that hard. For me, the hardest thing is to get. Ça peut paraître difficile, mais si ton mode de vie c'est la musique, ce n'est pas si difficile. Pour moi, le plus difficile, c'est de prendre l'avion, parce que ça me fait peur. Mais j'ai fait ça depuis 30 ans. Et non, ce n'est pas difficile de faire partie de ce projet. Tu devrais venir à notre festival. Cette année, c'est du 11 au 14 août. Et venir à Niche quand débute le festival. Ok, il y a d'autres festivals comme Exit à Novi Sad, et d'autres encore. Mais au sud de la Serbie, le Nicheville Jazz Festival est le plus important. Segundo.